payer 8000 euros par mois, selon certaines sources. L'économie, c'est un autre signe du petit vent de reprise qui souffle sur la France. Après 2 ans de baisse, l'emploi à domicile repart à la hausse. Jardiniers, gardes d'enfants et autres, au total, le secteur représente 530 000 emplois à plein temps. Michaël Guilleux, Vivien Charrère. Auxiliaire de vie, jardinier ou femme de ménage, l'emploi à domicile repart à la hausse au premier trimestre. La France compte 40 000 nouveaux particuliers employeurs et les heures travaillées ont augmenté de 0,5%. La raison de ce sursaut, depuis le début de l'année, employer un salarié à domicile coûte moins cher. Auparavant, les particuliers employeurs bénéficiaient de 75 centimes de baisse de charges par heure travaillée. La réduction a été portée à 2 euros. Pendant longtemps, cette maman ne déclarait pas sa nourrice. Aujourd'hui, elle fait systématiquement un contrat de travail. Alors du coup, moi j'ai choisi de déclarer parce qu'au final, ça me revenait moins cher que de prendre quelqu'un au black en fait. Malgré les charges patronales, on a une diminution avec les aides et les réductions d'impôts à la fin de l'année quand on doit faire nos déclarations. Depuis 2012, le gouvernement avait alourdi le coût du travail à domicile. Changement de cap avec cette baisse de charges. Un coup de pouce important pour près de 3 millions de particuliers employeurs. Dès qu'on baisse le coût de l'emploi, on a une réponse positive en matière d'emploi déclaré. Déclarer son salarié aujourd'hui, ça coûte moins cher que de ne pas le déclarer. En France, plus d'1,5 million de personnes sont employées par des particuliers. Un nouveau record pour les redressements fiscaux. 20...